Yes, non. Salut à tout le monde et on est sur le serveur de Farmcraft, l'ancien, le beau, le frais. Enfin le frais je sais pas mais on est dessus. Avec l'ami Doudou qui visite, l'ami transport et les Bonjour. petits qui va pas tarder. Oh. Voilà. Oh, moi je suis Peut-être trop pas loin. tarder. Ouais, qui va peut-être tarder, alors c'est pas grave, je m'en fous. Salut. Alors, donc l'idée de ce soir, c'est d'essayer de faire une petite visite à Doudou. Et en profitant, on va faire une visite un peu à tout le monde. Alors, le serveur Funcraft a été fermé il y a quelques mois parce qu'on a un peu fait le tour et qu'on a envie de jouer à d'autres choses. On a toujours regardé les maps, il y en a 6 ou 7, je pense. Sur le serveur et on va d'abord vous faire visiter la principale avec en essayant de tout voir mais c'est énorme. Il y a presque une petite allez, 8 mois de travail sur ce serveur. Donc alors on est d'abord à Spawnville qui est la ville principale avec ses 80 maisons. Ah oui, c'est ce que tu disais hier soir. Ses 80 maisons. Prendre la hauteur, tu verras, c'est assez impressionnant. Ah ouais, non, mais c'est un peu. Ah, c'est un moment là, ça. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que je suis plus allé là. Oh la vache. Dans les maisons cultes, on a la maison de Toshi d'abord, la seule fille du Oh serveur. oui. Ouais. 80 maisons et la seule fille. D'accord. Celle-ci? Ah ouais, c'est celle-ci. Tu peux imaginer ce qu'elle a subi au début. Ah là là, classe la maison en plus. La mairie au centre. Designé à l'intérieur par Tonkseb. Si si je vous jure c'est vrai. C'est lui qui avait gagné le concours qu'on avait créé. Il y a toi aussi l'histoire du je monte au toit et je suis arrêté à pluie. Il y avait ça à l'époque, non, je sais plus. Non, on l'avait retiré. Par contre, il y a la boussole sur le toit. La boussole de Lipki. Non, il n'y avait pas la Rudimentaire, mais boussole. bon. Si, 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 ouais. Le nord, le Ah. sud, t'avais mis des panneaux. C'est vrai, c'est moi qui fais ça. Oui, C'est c'est quand même toi, super mignon. c'est pas moi donc, c'est toi. Regarde, il y a un truc qu'on voit sur le toit et qui est beaucoup plus intéressant que la boussole. Attends, c'était quoi qu'on voyait sur le toit? Attention. Ah, tu viens de passer devant. Bon, c'est pas l'endroit où on le voit le mieux, mais. Ah, je peux pas fermer. Attends, de Les loup. barrières. Laisse-moi passer. Merde. Ah oui, bien sûr. Le Tu vas y arriver, t'as Merde. serveur est modé et un des grands ajouts qu'on avait réussi, enfin que qui avait réussi à faire, c'est les Ouais. barrières en diagonale. Oh, c'est Et là. ça, Là. c'est Ah, ça a la classe. extraordinaire. Ça vaut l'or. Mais on le verra essentiellement mieux sur une autre ville qui est magnifique. Dans les Ok. autres maisons, dans les autres maisons cultes, on a bien sûr la maison de transport. Ici, maison high-tech. Ouf, design, un bon petit chalet bien. Oh là, je La sais. base de cette maison-ci a été faite par Remfull. Bon, on l'a bien modifié. Je sais même plus s'il reste beaucoup de ce qu'il avait fait, mais bon. Par Et contre, puis. je peux pas ouvrir les portes. Mais c'est bizarre, t'es OP. Ah ouais, non, je suis OP, j'ai réussi à me mettre en feuille, mais. Cette groupe. Yo, je pars sur le chat, tu me dis, hein, pour voir. Attends, hein, on va voir ce que ça donne ce que je viens de faire là. Ah, j'arrivais pas à fermer la porte. Voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Et alors la maison ici au bout, qui est la maison culte. La seule maison qui n'est jamais terminée. Si, si, elle était terminée. Si, on Non, l'a non, terminé. non, non, non. Enfin, l'intérieur. D'accord. Non, 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 non. À la base, elle n'est jamais terminée. C'est la maison de Serge qu'on a fini. Final. La déco, elle est très sommaire. Hein. Ouais, on a fait Bah, l'extérieur. il a jamais terminé. Donc. Le toit, c'est en quoi? La brique. C'est de la Ouais, c'est brique. de la brique. La brique, elle est bizarre. J'ai pas l'habitude sur le sommaire. C'est clair. Il est Ouais. pas mal, je trouve, encore. Hein.
Non, non, mais ça fait. Elle est pas moche. C'est juste les cubes là de User joined your channel. Bonjour. Coucou Kibble. Bonjour. Eh, quatre balles. C'est vrai que c'est bon. Hop, tiens, je tac. C'est l'IP du serveur sur lequel on est maintenant. On visite le serveur Farmcraft. Ah, et c'est en quelle version? En Farmcraft. En launcher. Au launcher. Ah. Est-ce que j'ai quelque chose? Je t'ai envoyé un lien, je l'hébergeais chez moi. Au cas où. Oh, je dois encore l'avoir quelque part. Oh, il y a tellement de trucs à visiter ici. Donc, voilà un peu le... Ça, c'est le topo. Tu montres les boutiques? Ouais, c'est vrai. On va commencer par les boutiques. Donc, on avait instauré une certaine économie. On a tenté d'instaurer. On a ici tous la pastéquière, citrouillère et autres. Les fruits, quoi. Avec les papiers. C'était tout ce qui était pour le métier de... Je sais plus. De pastéquier. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'était un des métiers. Mais moi, je dis pastéquier. Ensuite, on va partir là-bas au bout, suivez-moi, parce que. Ah ouais, ouais. Faut s'y repérer. La route de la forêt. Ah, les champs, ils faisaient la classe, là. Toi, t'as rien vu. Non, j'ai rien vu. Déjà, je vois. Hein. La boutique de la forêt. Et alors, ici au bout. La forêt. Notre deuxième. Ah mince, c'était fait comme ça, tiens. Pépinière. Pépinière automate. Pépinière. Ah bah ouais. Je l'avais plus, ça se relève. Ça se relève. Pône dans l'eau. Comme ça, je vais pouvoir mourir. Notre pépinière avec le dôme en verre qui était fait par Trans. Ça ne s'est pas fait en un jour. Celle-là, je pouvais assurer. La pépinière, elle est à la place. Ah ouais, elle est grande. Elle est belle, OP, je crois. Elle est grande. Quoi? Je sais pas si je suis OP, je suis pas sûr. Si. Ah, si. C'est le backup de l'ancien truc, donc t'es OP. Il y a l'air de doux, hein, derrière la pépinière. Au normal. Ah ouais, ah, c'est ce que je disais avec le bois de normal qui poussait juste. Ah mince. La jungleville, du coup, j'arrive. Regarde la main de bois qui a poussé, quoi. Donc voilà la charbonnière de Trans ici. Hop. Ah, admire le système que j'ai utilisé à l'intérieur. Ah oui, il y a un système qui est sympa. J'ai pris un scratch sur Flash. C'est bidou. Bah, vas-y, mets quelque chose à cuire dedans. T'as quelque chose? Attends, non, hop. J'ai rien. Du charbon et tu prends de la quebelle. Et tu mets tout ton machin à cuire. Ah, et tu récupères comment après? T'inquiète, faut attendre que ça finisse de cuire. T'as mis tout quoi? La cobble. Et sinon, en attendant, il y a toujours ça qui est intéressant, regarde ici. Ah ouais, pas moi aussi. Ça marche plus. Enfin, ça donnait plusieurs charbons, enfin bon. Attends, je vais m'équiper de la boussole. Hein. Il est peut-être vide le truc à charbon. Non, il y en avait encore un peu. Et donc, ici, c'était la zone des fermiers. Les fermiers, c'était les arrivants sur le serveur. Voilà. On voit encore ici un bâtiment d'un des derniers fermiers. Oh, c'est bon, ça marchait. Je me souviens plus de celui-là, tiens. Moi non plus, je me souviens pas de celui-là. Non, c'est Fez. C'est Fez qui a fait ça, tiens. Fez, ouais. Chambly, ouais. Alors, dans les autres... Oh, miaou! D'ailleurs, viens par là, Tado, montre un peu mon joli chambly en étage. Ah, comme il est mignon! En terrasse. Ah oui, c'est vrai, ça. Tiens, ben, on va pouvoir le faire, l'actionner. Ah oh, bah, j'ai respawn dans mon truc d'alchimie. T'inquiète, t'es fait sur un ou deux, un ou deux, ouais. C'est un superbe, comme vous pouvez le voir, champ en terrasse. Vous êtes impressionné. Mais ça, je pense que quand on passera sur la deuxième map, on les verra. Les chats m'ont retrouvé, apparemment. Oui, ils ont l'air.
Alors, dans les autres bâtiments intéressants. Oh, tronche. Ah, ça rappelle des souvenirs. Dans les autres bâtiments intéressants, il y avait donc, bien sûr, en face de la mairie, le hall des ventes, on va dire ça comme ça. La place de marché, ouais, enfin le marché. Ouais, couvert, le marché. Marché couvert. Le plugin bug pour le moment, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre. Logiquement, on avait chaque item qui était au-dessus, mais. Ouais, c'est ça, la boussole, je l'ai en fait sur le. Sur la place principale. Ah oui, ben oui, voilà. Si on monte ici, on voit. C'est d'Halloween, toi. T'es belle. Ah ouais? Si on monte ici, on voit la boussole pour ceux qui le voient. Et... Yes, métal. Alors là-bas, le rond en laine, c'était le la boutique de laine. J'adore ça. La super boutique de laine. Voilà. Alors ça, il faut le dire, hein, elle a été faite entre 3h et 4h du matin. Par les pieds et moi. Voilà. Entièrement bien sobre. Bien fumé, bien bu, bien mangé des champignons. Non, 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 c'est ça. Ouais. Elle est pas mal, hein, lui. Et j'ai ma cape. Ah, j'ai ma cape prête perso. Ah, bah oui, c'était fait ta cape perso. Ah, ouais. Alors, dans les bâtiments qui nous restent à voir ici, la boulangerie, on l'a vu, et alors là, il y a la. La boucherie. La boucherie, non, ici. Boucherie, poissonnerie. Boucherie, non, boucherie, poissonnerie. C'est parce que t'as fait une maison moche, tu veux pas montrer la tienne? J'ai pas encore montré ma maison, c'est vrai ça. On va montrer elle la tienne. Elle est là, mais bon. Sans être moche, c'est pas un point important du serveur. Non, 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 voilà. Elle a fait une très belle grange. Alors, attends, hein, que je réfléchisse. J'essaye de structurer. Donc là, c'est ma baraque pour ceux qui derrière, veulent. Derrière, il y a la petite. Premier moulin de fait par Tanxed. Attends, attends, parce que. Et là, c'est celle de. Alors, on a d'abord ici un premier point, où, juste à côté de toi, de nous, ça s'est fait par Zordus. Je pense que tu peux arrêter de dire premier point parce qu'on en est très loin du premier point. on me casse pas en public, voyons. Le premier moulin, ouais. Avec la grange de Zordus, et derrière, on a le bâtiment de Tonsep. Ici, je pense que ça c'est la. Ah non, c'est à Kotek. Tanxep, c'était où alors? Ah, mais c'était. Oui, c'était pas du tout ici. Ensuite, si on part vers. Bon, on va partir vers le côté intéressant. Enfin, vers l'endroit où il y a des grosses constructions. Hein, la vers la ferme de la serpeur. La pastéquière automatique de Trans. Ah oui, la pastéquière automatique d'abord. La porte évidemment qui ne s'ouvre que quand il y a les pastèques qui arrivent. Celle-là, elle est assez impressionnante. Tout là-dedans, vous avez un système automatique de pastèques. Et quand les pastèques arrivent, bah, il y a votre switch qui font que ça va respawner ici. Ouais. Ça casse automatiquement la pastèque et puis ça. Dans les envois ici. Quoi. Alors. C'est le premier système de pastèques full auto. Ici au-dessus. Ça a été possible. Ouais. Ici au-dessus, on a ma grange. Enfin, très intéressant. C'est vrai, c'était la mienne. C'est ta grange. La grange, je te le dis. Qu'on a les tiges dedans, puis en plus, je pense à ma grange, du coup, je cherche un jeu de mots, mais je n'arrive pas trop. Les systèmes marchent toujours, je suis content. Il n'y a pas de raison. Ouais, mais je crois que tu sais, quand tu fais des transferts de. Ouais. De map et tout ça, ça peut un peu bugger. Oh les chats qui font bien. Tiens, c'est les miens, désolé. Transmets-toi ici. Mets-toi la trans. Non. Là. Non, à côté plus loin. Où est Lipki? Hein? Là? Hein? Allez, ah, tourne. Ah, oui. C'est pas un piège. Ouais. C'est pas un piège en fait, c'est là qu'il y avait un. Il y a un chunk à slim en dessous, en fait. Ah, d'accord. Chunk à slim privé de sa dos. Ouais, ouais, je t'ouvre le trans, vas-y. Et puis, ouais, ici, on a le. La première pépinière. Faite par trans aussi. Et moi, je pense. On l'a fait à plusieurs.
Pardon? Ça, c'est la première. Avec le dôme, elle a plus la classe. Ouais, mais ça, c'est la toute première. On n'avait pas beaucoup de ressources. Et puis, on arrive sur le champ à blé. Ah, on va l'activer. Attends, attends deux secondes, les petits. Hein. Attends que je. Ouais, ouais, tu me dis. Donc, d'abord, le moulin. C'est vrai que le moulin, on l'a toujours. Ah, je peux pas. Et donc, ça, c'est le truc. Un des trucs les plus impressionnants qu'on a fait sur le serveur, je pense. C'est-à-dire qu'on pouvait actionner chaque levier. Moi, je vais tuer les chats si ça continue. Et donc, je comptais devoir le faire dehors, quoi. Et laissez-moi deux secondes expliquer. On pouvait actionner chaque rangée sur le du champ. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 rangées, on pouvait tout actionner. Les petits, c'est quand tu veux. Je mets tout d'un coup. Hein. Ouais, tout ouais, vas-y. Je fais la guerre. Bah, écoute, là, ça va bien. Hein. Moi, j'attends en bas les ressources. Il est lent quand même. Kiff, c'est la serpe d'or. Mmh, elle est vachement bien faite. Ouais. Je lag pas sur le. Moi je lag. Non, moi ça passe encore. De toute façon, même avec le meilleur serveur qu'on avait, on a toujours lagué quand on actionnait ce champ-là. Ouais. Il y a trop d'entités qui se créent donc. Là franchement. Faut vite ramasser toutes les ressources pour laguer. Ouais, c'est ça, faut se mettre en bas et ramasser. C'est l'autre qui prend un temps fou à y aller, mais ça ne fait pas plus qu'un coteau. Moi je lag, c'est un truc. Mais par contre, on n'avait pas réglé le problème de ce cube-là qui n'était pas alimenté par deux. Non, il restait toujours un cube qui n'était pas hydraté. Ouais, d'ailleurs, je voulais faire ça, mais. Pour ceux qui se demandent, ce champ a été créé en une soirée. Ouais. Si, le champ a été créé en une soirée. On a eu un peu du mal sur le système. Ouais, voilà. Le champ a été réellement fini en une soirée. Et tout l'après-midi à de terraformage, quand même. Non, même pas. On a commencé le soir. Moi, je m'en souviens. J'en souviens. On a commencé ça le soir avec Zozo, Trans, je pense, et puis Lipki est arrivé. Moi je suis arrivé qu'à la fin. Il était peut-être sur un autre système. La classe, hein. Cable aussi peut-être. Non, moi vous l'aviez déjà fait quand je suis. Ouais, c'est tard. Et alors, le pire c'est que, enfin, si tu regardes bien Doudou, tu vois pas qu'il y a un système d'eau quoi. Quand tu regardes, c'est des escaliers donc tu le vois pas du tout. Ouais. Ouais. Juste un peu lent, soit ça descend. Et oh là, c'est... je me souvenais pas que c'était aussi lent. Non, il était plus lent. Et là, le champ à canne à sucre. On s'était bien lâché dessus sur celui-là. Ouais, pareil, le gros champ à canne à sucre. On s'était bien lâché. Jamais vu. Ouais. Ouais, il est sympa aussi. Et encore, il est plus petit que ce que moi j'avais imaginé au début. Ouais, d'accord. Mais il y a du monde qui voulait pas trop. Alors, à côté, le champ à pastèque et à citrouille. Enfin, les champs. Il y en a pas mal, hein. Je sais plus combien on avait fait. Les citrouilles, le reste en pastèque, qu'est-ce qu'on va dire? En tout, chaque champ a un nom qui lui est propre. Ouais. Qui correspond à une pastèque ou à une citrouille, une forme de citrouille. Une vraie forme de pastèque ou de citrouille. Hein. Voilà, tiens, les melons. Des variétés, quoi. Des variétés, ouais. Et alors d'or, ça ouais, mais c'est des blocs d'or, bien sûr. Ah oui, c'est la serpe d'or. T'imagines pas quoi. Ouais. T'imagines pas comment on a chié pour faire tout ça, quoi. Il y a plus d'or du tout sur la map. Si, mais si, j'imagine très très bien. Parce que c'est... Parce qu'il n'y en a pas qu'une, certes. C'est la deuxième que tu vois, là. D'accord. Il y en a une troisième, quelque part. Ouais. Et alors... Je préférerais la serpe de fer, perso, moi, mais bon. En même temps, ça sert facile. À rien. Enfin, ça servait à rien, l'or, c'est ça. Plus ou moins rien. Si on descend, Doudou, tu vas voir le système. Et là, je pense que tu risques d'halluciner un peu. Ah, c'est... ah ouais, d'accord. Tout est automatisé.
Ouais, tous les champs sont récupérables un par un. Et le système est verrouillable en plus pour éviter que les gens ne cassent les champs. Oui, parce que donc il y a un système général ici pour chaque champ. Et en plus, on a un système dans chaque champ pour actionner les machins. Qui est. Et tu peux. Tu peux interrompre le truc. Mais viens voir le système ici derrière, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le bout. Voilà, donc, et un levier de verrouillage pour empêcher qu'on puisse actionner les champs de l'extérieur. Voilà. Comment vous avez dû vous jouer la vie pour les ça, ouais. Hein. Surtout qu'ils sont particulièrement mal organisés. Il n'y avait pas d'équipe en ce temps-là. Non. On dira. Red Power. Imaginez Red Power. Là. Oh, non, mais j'avoue que Sandcraft avec Red Power serait pas mon pays, quoi. On dira pas c'est qui. Enfin, on ne dira pas, non. Qui a fait tous ces circuits. Hein. Bah, c'est surtout toi, en fait. Ben oui, je sais, c'est pour ça qu'on ne le dira pas. Si, c'est trop tard, je vais le dire. C'est moi qui ai tiré tous les circuits. Mais bon, c'était le bordel. Hein. Ah, par contre, Tado, je cherche. Ça se voit d'ailleurs que c'est toi, hein, parce que si on était moi, ça aurait été mieux. Par où qu'il est le passage chauffage, j'essaye de foutre les torches depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Non. Ah bah voilà. Bah voilà. En bas, ouais. J'ai trouvé. Ouais, mais on va pas visiter le. Si, je pense qu'on la fera visiter, mais après. C'est plus tard. Personne ne l'a vu. Bah justement, c'est ça le truc, c'est que personne n'a vu ces câbles. Et on peut peut-être les montrer pour une fois.